Ça, c'est pas à cause du verre qui est compressé parce qu'il était trop froid et la boisson est trop chaude? Non, il est dilaté. Non, le verre est dilaté parce qu'il est chaud et il sort du lave-vaisselle, je sais pas trop quoi. Et il se contracte à cause du froid, un truc comme ça. Enfin, à cause du chaud, quoi. C'est à cause du verre de Smolder qui est trop chaud, Gary. C'est magnifique les robes. C'est vraiment, elle est bizarre sa queue. Ah. Il est sous baguette. T'as fait exactement la même réflexion sur notre vidéo? Ah ouais? Oh. Probablement, ouais. Il vit sa meilleure vie, le chien. Il a perdu la game là, du coup, non? Il a pris 40 ans sur le 5G. Ça, c'est stylé, en vrai. Ok, ils sont chauds. Notre troll, il est chaud. Il a freestyle Willy. Il a une accélération parfaite pour foutre le feu au. Non, il est chaud. Wicked. Et vous savez que les chevaux. J'ai fait de l'équitation et tout, mais les chevaux, ça, c'est très vite terrifiant. Vous savez que des morsures de chevalgue, ça fait. Ça, c'est une dinguerie à quel point ça peut faire mal. Hein. Et un coup de sabot perdu, ça part à tout moment. Oh non, pas toi. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, j'ai fait de l'équitation et tout. Je vous jure. Non, je suis pas galop 4, doucement. Mais j'étais. Mes sœurs avaient galop 3 et moi j'avais galop 2, un truc comme ça. Ou niveau galop 2. Et je t'assure que. C'est terrifiant. Hein. Pour le coup, c'est terrifiant. Pour draguer? Non, non, parce que l'équitation, c'est vraiment fun. J'adore les chevaux. J'ai toujours adoré les animaux. J'ai bossé dans une ferme et tout. Vraiment, je surkiffe ça. J'ai bossé dans une ferme, chat de mes parents, j'ai fait de l'équitation. Pendant un moment, je devais faire du. Ça s'est pas fait, mais je voulais faire du bénévolat. Quand j'étais plus petit, je voulais devenir vétérinaire et je devais faire du bénévolat dans une. Dans une. Dans une. Comment ça s'appelle? Dans un recueil d'animaux, tu sais. Enfin, pas un recueil, mais tu sais, dans un. Un endroit où t'as les animaux abandonnés, quoi. Non, c'était pas une SPA, c'est. Un refuge, ouais, c'est un refuge. SPA, c'est autre chose. Parce que SPA, tu peux bosser dans des bureaux et tout et être à la SPA, tu vois. Moi, je voulais vraiment bosser. Enfin, je voulais vraiment être avec des animaux, quoi. Moi, j'en ai fait parce que j'ai aidé le fils du patron du centre équestre, trop stylé. T'as fait ça au Brésil? Non. Au Brésil, j'ai rien fait au niveau des animaux. Attends, je réfléchis. Non, au Brésil. Mais j'étais trop petit quand j'étais au Brésil. Au Brésil, c'était. Non, c'était tout en France. Chien, tu te chasses, ça en sert 2 minutes. Ok. Ok. Ok, on va mettre des choses au clair. Plus t'as du temps à consacrer à ton animal, et plus le chat est et plus le chien est justifié. Pour moi, c'est une question de temps.
Ça n'a rien à voir avec une question de préférence. Les deux peuvent te donner la même quantité d'amour et tu peux passer, tu peux avoir des bons souvenirs avec. Mais pour moi, c'est qu'une question de temps. Plus t'attends, t'as de raison d'avoir un chien et de pouvoir lui donner un bon quotidien. Et moins t'attends, plus tu peux justifier le fait d'avoir un chat. Faire un ça au-dessus de cela, c'est très collège tier, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment uniquement une question de circonstances. Y a pas de... et autre chose, à partir du moment où t'as pas les allergies, etc., etc., t'es qui vient pour le moment. Je pense que tout le monde est fine avec et les chats et les chiens, mais c'est juste que quand t'as eu l'expérience de l'un, comme tu connais pas l'autre, bah par raccourci, en gros, tu vas dire que c'est mieux que l'autre. Mais c'est juste que tu connais pas, en fait. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, tu vois, et qui partent du principe que comme ils ont connu des chiens quand ils étaient petits et tout, ils ont eu un chien très tôt et tout, bah ils préfèrent un chien alors qu'ils ont juste pas connu les chats, tu vois. Et inversement. Non mais c'est bizarre de faire ça. En plus t'encules le terrain, genre. Mais moi, ça m'arrive, nos trolls, je fais un jeûne dans moi, hein, je suis très sérieux. Je fais un jeûne dans moi. Si ça m'arrive, le reality check que ça doit être de s'asseoir sur une chaise et qu'elle se casse. Débat parallèle, elle doit payer ou pas? 100%, tu payes. Tu casses, tu payes. C'est juste normal, tu casses, tu payes. Faute de la chaise. Je suis désolé, si tu commences à projeter sur la chaise, il y a un problème. Oui, le frérot, il projette sur la chaise, c'est même pas une entité qui peut penser ou quoi que ce soit. Ah, c'est la faute de la chaise, les mecs. Oh, please. Je me suis déjà accroché le doigt dans un hameçon. Je vous jure que c'est pas agréable. Par contre, la pêche, c'est un des trucs les plus cools que j'ai pu faire. Genre, no troll, le fait de choper d'attraper un poisson pour la première fois, je trouvais ça trop stylé. Ça peut sembler trop con, tu vois, parce que t'es en mode la pêche, ouais, c'est boring. La première fois que j'ai attrapé un poisson, j'étais trop content. En plus, il était gros. C'est vraiment, t'es là en mode, t'es en mode, oh putain, je suis quelqu'un. C'est trop trop cool. Reality check qui m'a fait perdre 40 kilos, quelqu'un m'a pris pour un sans-abri quand j'ai demandé mon chemin. Ouais, dur. Moi, tu sais que. Je pense que la boulangère, des fois, je lui fais pitié. Hein. Bon, j'arrive, il fait moins 2 degrés dehors, je suis en tong, elle me voit tout le temps avec le même short qui me sert de pseudo-pyjama. J'arrive, capuche on, je l'enlève pas parce que j'ai pas pris de douche depuis 3 jours, du coup, j'ai les cheveux dégueulasses. Ouais, bon, chocolat croissant, s'il vous plaît. Et là, elle a son petit smile de compassion, elle est en mode « Oui, pas de souci, ça sera avec carte. » Aïe, 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 aïe. Ça me met très, très bien. Il va tomber. Tous les pneus sont trop hauts. Chiche, en vrai, ça c'est marrant. So random. Attends, mais c'est trop pips. Il a même pas ouvert les yeux. Chiche, dommage. C'est trop bien de faire des conneries avec tes potes quand t'es au ski n'importe où. Hein. Le 20 024.
Pourquoi les trucs avec les frogs, c'est toujours drôle? So random. En vrai, notre rôle, mettre dans la bouche d'un mec qui dort, il peut s'étouffer, et donc faites gaffe, notre rôle. Moi, ça m'a fait peur, vraiment. Genre, c'est marrant de stacker des trucs sur la tête des mecs, etc., mais dans la gorge, enfin, c'est pas fun. Ça peut être dangereux. Oh, va te faire foutre! Ok, il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Oh la pouscaille! Oh le poisson! Je le connaissais, mais il me fait ce mal à chaque fois. Le poulet. Le poulet. Ah c'est. Il a pris l'ascenseur pour casser les couilles à tout le monde. Mais vous savez que c'est, il peut légit crever hein. Mais les gens sont vraiment complètement. Je suis désolé, le QI moyen, les gens sont juste complètement cons, hein, notre rôle. Cyberpunk. Moi bon, une fois je suis mort comme ça. Ok. In game. Le frérot au courant à côté, le mec il a dû regarder sans juste à essayer de lire la pancarte parce que le mec il bouge et du coup il a enfoncé l'eau. Oh chiche. J'ai pas le ref, moi. Ok, ça c'est un peu drôle, ça c'est un peu drôle. Comment tu le sors, en vrai? Tu mets des bouts de métal sur les côtés et tu forces en essayant de tirer? Ça veut dire. Elle est trop vive cette vie. Ah, c'est probablement les porte-avions qui testent leur câble. Tu sais, de démarrage d'avion. Donc là il est en train de faire de la soudure, mais comment il a des yeux, notre rôle? On est d'accord que tu fais ça pendant quelques mois et ta rétine a explosé, non? Non mais c'est... Il a probablement juste fait ça pour la vidéo. Bon le truc Rockstar au milieu me met très très bien.
Ouais, c'est un gamin le mec qui conduit, il a fait exprès de se garer à côté d'un trou. Ah, c'est probablement une pièce pour enlever des pièces. Et c'est en train de le mettre. C'est en train de mettre son Lego en morceaux. C'est probablement une pièce pour enlever des pièces, tu vois. Notre j'arrive à ce stade de ma vie. Non mais en fait jamais de ma vie j'arriverai à ce stade, jamais de ma vie. Et pour moi c'est un truc c'est incompréhensible. C'est le toboggan mais hors vanne. Jamais de ma vie j'en arrive là. Jamais. Je bouffe que de la merde. Je bouffe n'importe comment. Et je me trouve aujourd'hui déjà gros, tu vois. Jamais de ma vie j'en arrive là. Jamais. Je sais pas comment les gens se laissent aller jusque-là, notre rôle. Ça peut être des maladies? Oui, bien sûr, il y a toujours une raison X ou Y et c'est jamais leur faute, on sait très bien, c'est fine. N'a pas de contexte, ça peut très bien être une maladie, ça peut très bien être entièrement sa faute, genre ça ne veut rien dire. Mort? On a pas tout vu, on va voir s'il en reste.